Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en deux temps, trois mouvements, bas du corps. Allez hop, on bouge! Marchez-le! Comment ça va? Merci beaucoup d'être là. Quel plaisir de vous avoir parmi nous ici en studio. La bonne nouvelle, c'est que le plus dur est déjà derrière vous. Souvent, vous allez convenir que le plus difficile dans la vie, c'est de partir le bal. Alors, vous êtes là, on est ensemble, sourire aux lèvres, entraînement express, ça va vite, mais on fait ça vraiment en prenant notre temps. On fait compter chaque seconde. Très rapidement, j'enclenche dans un jogging, mais c'est vous qui décidez, vous n'êtes pas obligé de sauter. Je vous promets là, des alternatives qui vont être efficaces, qui vont être agréables, mais nul besoin de sauter. Ce qu'on veut, c'est continuer à progresser, avancer, atteindre nos objectifs. Et surtout, je vais vous faire vivre un moment plaisant pour que vous ayez envie de bouger toujours plus. OK, le premier mouvement aujourd'hui, je l'appelle Jumping Jack parce que c'est le nom. Mais je vous rappelle qu'à tout moment, le tendu côté va être votre mouvement sans saut. OK? On ferme. Yes! Alors, c'est parti. Pensez à votre posture. C'est-à-dire, descendez les épaules, impliquez les abdos, jogging ou marche. Ça va? Maintenant, si vous êtes en marche, je vous encourage à faire quand même un grand mouvement d'amplitude. Alors, plutôt que de garder les pieds très, très près du sol, on lève, on dynamise, on bouge les bras. Yes, ça fait du bien, n'est-ce pas? Je pense que oui. Marcher ou jogger, est-ce que ça va? Donc, la capsule se concentre sur le bas du corps aujourd'hui. Je commence avec un segment capsule, mais je vais bien sûr insérer un exercice au moins pour aller chercher les muscles des jambes. On ferme. Ça va? Hop! Donc, c'est mon jumping jack que je rends juste un petit peu plus prenant, si je peux dire. Ça va? Hop! Dans un instant, je vais vous montrer une variation sans saut. Si vous êtes dans la variation tendu côté, gardez-le encore quelques instants. Pour 8, 7. Et en fait, vous le connaissez, c'est le fameux squat. On le fait ça ensemble. Here we go. Squat. Vous le connaissez. Je pense que la plupart des gens connaissent le mouvement sans l'avoir fait parce qu'on entend ce mot-là souvent. C'est un mot qui est pas mal universel. Alors, le voici, le voilà. Le squat, qui est important pour moi, c'est pas tant le jargon, la terminologie, mais c'est l'exécution technique. Est-ce que vous sentez que ça se passe dans les muscles des jambes? Est-ce que ça va vite? Ralentissez-le au besoin. Sentez-vous dans ma respiration que je suis essoufflée? C'est ce que je vous souhaite. D'accord? On descend un petit peu plus bas. Down. Oui. Descendez, montez. 8. 7. 6. Je ne fais pas toujours un décompte, mais là, je vous en donne encore 4 dans 3 jumping jacks. Et squat avec ou sans saut. Vous décidez, OK? Jumping jack ou tendu. Plus qu'un 4. 4. 3. Squat sur place. Je peux aller sur les orteils. Ajouter un petit élément d'équilibre, pourquoi pas. 4. 3. 2. Squat pour 2. Jumping jack ou sans saut. 4, 3, 2. Et squat. Faites-moi donc ça une dernière fois pour le plaisir de la chose. Gardez vos squats. La finale, je la garde ici. Regardez. Squat revient. Squat revient sans saut. Si on veut, saut. Finale. Descendez le 8. 7, plus bas, plus bas. 6, 5. Est-ce qu'on est capable d'aller plus bas? 4, 3, on se retrouve au prochain segment. Bravo! Comment ça se passe de votre côté? Fente, je la fais sur place pour l'instant pour vous rappeler que c'est une des belles alternatives que vous allez avoir durant le segment. Ça va pour ça? Pendant qu'on fait ce mouvement, je prioriserai vraiment la technique d'exécution, mais surtout, pas sentir vos articulations. 4. Encore 3. Dans 2, je fais un changement de jambe. Suivez-moi là-dedans. Et après, je vais vous faire
des fentes alternées. OK? Les mains, pardon, oh, je suis en train de perdre l'équilibre, mais les mains sur les cuisses, sur les hanches. Pensez à descendre les épaules pour avoir vraiment le cou allongé, les trapèzes allongés. Respirez naturellement. Puis pour la cadence, plus lentement, ça va aller très bien aussi. Alors, tu sais, quand je vous disais, ne vous bousculez pas, allez-y à votre rythme. Il ne faut pas que ce soit trop confortable, mais je ne veux pas non plus que ce soit désagréable, tu sais, de courir après ce que je suis en train de faire. Alors, suivez-moi dans des fentes alternées. Regarde ce qui arrive. Peu importe la jambe, là, on alterne. Alors, ne vous souciez pas non plus de « est-ce que je suis sur le bon côté? » Ce qui est important, et vous allez l'entendre, là, tous les coachs s'entendent là-dessus, c'est d'avoir un équilibre, OK? Ce que je fais à droite, je vais le faire à gauche, vice-versa. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que vous sentez les genoux? J'espère que non, parce que c'est pas ça qu'on veut sentir. On veut travailler les muscles des jambes. Et sentez-vous que la respiration continue à être un peu accélérée? Oui. Maintenant, deux comme ça derrière, deux devant, droite-gauche pour l'instant. On va se dire, j'hésitais, ben je me suis dit, si vous êtes sur la gauche, gauche-droite, right? Hop. Est-ce que vous pensez à impliquer les abdos? Faut y repenser, hein, parce que des fois, on est bien placé, la fatigue s'installe, ou bien on pense à autre chose, par exemple l'équilibre présentement, qui demande quand même un certain effort. Dernière fois, ça vous irait, dernière fois de ce côté, c'est-à-dire avec la droite qui part. Jumping jack, vous rappelez-vous l'option sans saut? Dans du côté, dans 4, 3, marche ou jog. Une autre alternative intéressante quand on ne fait pas les sauts, mais qu'on veut faire une transition fluide, c'est le squat qui est fermé. Faites-le pour 4, 3. Ça marche bien. Ces mouvements-là sont efficaces. Pente, gauche-droite. Pourquoi on veut que ce soit efficace? Parce qu'on a peu de temps. On avance, on a peu de temps. Puis surtout si on aime moyennement ça, disons faire, je ne sais pas, la musculation, à ce moment-là, c'est le fun quand ça va vite. Puis quand on prend plaisir à le faire, après ça, bien, on rallonge les segments, puis ça se fait tout seul parce que le corps est prêt pour ça. Ouh! Vous avez toujours du plaisir. Je le sens bien dans mes jambes. On a le temps de le faire une dernière fois. Devant. S'il y a une perte d'équilibre, il n'y a pas de souci. Hein? Faites-en pas, ne vous jugez pas. Revenez un petit squat ici. Je vous l'ai dit au dernier moment, si vous ne l'avez pas eu du premier coup, c'était effectivement un petit délai de mon côté. Ça va? On se retrouve dans quelques instants pour le prochain segment, toujours focusé sur le bas du corps. On va passer sur le dos. Venez-vous-en. Le demi-pont, connaissez-vous? Vous montez, vous descendez. Voyez si l'alignement est bon, c'est-à-dire le talon et le genou enligné. Pour l'instant, je redescends les fesses à chaque fois. Qu'est-ce qu'on travaille? Qu'est-ce qu'on implique? Fesses arrière de la jambe, d'accord? Alors, permettez-moi de vous regarder un peu seulement. Lève et descend. Ce que je veux vous proposer, c'est un alignement épaules, hanches, genoux. Je voudrais surtout que vous ne sentiez pas le bas du dos, d'accord? Autrement formulé, impliquez les abdominaux, impliquez les muscles de l'arrière de la jambe. Gardez votre bas du dos neutre, OK? Je dis ça parce que ce qui est mieux en termes de communication, c'est de vous dire ce que je souhaite versus ce que je veux pas voir, OK? Donc, j'ai nuancé ma façon de vous l'expliquer. J'ai ajouté ceci, bras vers le plafond, vers le ciel. Est-ce que ça va? Comment ça se passe? 4 de plus, 4. Dans 3, je vais vous inviter à ne plus redescendre complètement. Voyez aussi si vous êtes capable d'imaginer un ballon entre les jambes. Lève, descend. Donc, les bras sont soit dans les airs, soit sur les hanches, soit par terre. Est-ce qu'on peut rapprocher un peu plus les genoux? Ça va? Sentez-vous la distinction quand on fait ça? Quand je rapproche mes pieds ensemble, mes genoux, il y a une implication autre que juste arrière de la jambe-fesse. Oui, encore, on continue comme ça. Voyez aussi comment ça se passe, bas du dos. Est-ce qu'on doit repositionner? Est-ce que je dois prendre un petit moment de répit et repartir? Ça va-tu? On en fait 3. Reste en haut 3. 1, 2. Est-ce qu'on sourit? C'est dur de sourire parfois en même temps
que de penser à bien faire un exercice. Je vous comprends. Restez 3. Excellent. J'estime un autre 4 si ça vous va. Serre les abdominaux. Implique les abdos. 3 autres. Je pense que ça va bien. Relaxez les épaules. Descendez les épaules pour mieux allonger. Est-ce que je peux vous garder là? On reste ici. Souriez. Je me suis réajustée. Mes hanches sont enlignées. Implication des abdos. 3, 2, on redescend. On repart pour 7, 6. Je le sens très bien. Qu'en est-il de votre côté? Des fois, la simplicité, c'est payant. Pas vrai? Là, je vous demande juste d'ajouter une jambe. Ça va? On change. On reste. Belle ligne, jambe jusqu'au bout des orteils. 2 more times. 2 autres fois. Puis on s'en parle plus, d'accord? Je pense que je vais juste vous garder en pause ici. Est-ce que je peux vous garder en haut? Lève un petit peu plus. Soulève ici. On va changer de jambe. Final bâton. Hop. Le sentez-vous? Souriez. On se retrouve aux étirements. À tout de suite. Comment ça s'est passé de votre côté? Étirement de l'arrière de la jambe. Quand je fais une région en particulier, dans ce cas-ci, on va travailler les jambes, c'est sûr que l'accent au niveau des étirements va être sur le bas du corps et ça fait du bien d'aller étirer l'arrière de la jambe, même si on n'est pas très souple, hein, pour la plupart. Alors, je vous invite à tolérer l'inconfort et à ne pas vous empresser à aller vers la jambe. J'aimerais beaucoup mieux que vous pensiez plutôt à rattraper votre souffle et allonger la colonne. On a tant besoin de penser à notre posture. Inspirez et expirez. Tolérez l'inconfort, poussez le genou vers le sol. Donc, ne pliez pas, allongez plutôt. Vous pourriez faire les deux jambes en même temps si c'est possible pour vous. Inspirez, expirez, allez un petit peu plus loin. La citation de la semaine, si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Rappelez-vous de ça quand vous allez faire une tâche et que les résultats ne viennent pas tout de suite. Ce qui est vrai, en entraînement, les résultats typiquement, c'est 6 à 8 semaines plus tard. On inverse. Alors, faites-le pas pour les résultats immédiats, faites-le pour tous les avantages ou du moins toutes les raisons pour lesquelles vous avez envie d'atteindre un objectif. Inspirez. Expirez. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. Merci encore.